tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de magazines que j'ai achetés. Parce que la dernière fois j'avais fait une vidéo sur des magazines que j'avais trouvés, qui étaient très sympas et vous avez beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai trois magazines à vous présenter aujourd'hui que j'aime beaucoup, voilà, qui parlent de différents sujets. Science et conscience sur la santé. Ensuite, on a science et conscience sur le cerveau et quantum expérience. Alors, tous ces magazines, bien sûr, vont parler de spiritualité, vont parler des nouvelles consciences, des sciences, du développement personnel, de tout ce qui est physique quantique, métaphysique, neurosciences, bien-être naturel, toutes les thérapies quantiques, les thérapies énergétiques et les médecines globales en général. Alors, je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans. Et ce qu'on peut retrouver dans chaque magazine. Donc ici, on a celui sur la santé, science et conscience. C'est le numéro 4, donc ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Il y a un dossier spécial sur le cancer et la guérison, sur les traitements révolutionnaires, sur la luminothérapie et la guérison, sur les bienfaits du soleil. Est-ce qu'on peut vivre jusqu'à 150 ans? Les carences en vitamine D, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Les oméga 3, un nuage personnel de microbes nous entoure. Donc celui-là, je vous déconseille de le lire parce que sinon après, vous allez me dire ah, j'ai des microbes dans tous les sens, donc quelle horreur. Mais bon, ça fait partie des choses de la vie. Ensuite, on parle aussi du cholestérol, des maladies cardiovasculaires, enfin la vérité. La vérité, non, il n'y a pas vraiment de vérité, hein, là, c'est parce que c'est dans le titre que je vous dis ça, mais comme vous le savez, il n'y a pas de vérité dans ce monde, c'est impossible. Il y a des vérités, il n'y a pas une vérité. Chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre façon de voir la vie, ses expériences. Et votre vérité d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la même que demain et c'est peut-être pas la même qu'hier. Hein. Moi, ça m'arrive très souvent, j'ai des vérités dans ma tête et puis après, je me dis, finalement, je peux changer plusieurs fois et puis je reviens sur certaines choses. Et tout dépend en fait de vos expériences et de ce que vous êtes en train de vivre au moment présent. Et on n'a pas forcément les mêmes vérités. Déjà avec les personnes avec qui on n'est peut-être pas avec les mêmes types de personnes, donc on pense pas à la même chose. Chacun voit un peu midi à sa porte, mais moi, c'est vrai que je suis revenue sur pas mal de choses, et quand j'étais ancrée sur des trucs, j'ai dit non, c'est comme ça, et c'est pas autrement, gna gna gna. Et puis au final, on s'aperçoit que, j'ai complètement changé d'avis sur plein de choses. Et bon, c'est comme ça, on est fait d'évolution dans cette vie, et puis il faut surtout pas rester campé sur ses positions, et puis être très large d'esprit, être ouvert à plein de choses. Et ce genre de magazine nous le permet justement, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, juste se poser des questions, et puis réfléchir, amener à la réflexion, c'est toujours très sympa. Moi j'adore penser, réfléchir, me poser des questions, ça fait partie des choses que j'aime dans cette vie. Donc voilà pour ce magazine, je vous ai dit un petit peu tous les titres. Il y a un article aussi sur la méditation. Qui est très très sympa, que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc là on parle des effets bénéfiques de la méditation, de la pleine conscience, etc. Que ça peut soigner plein de choses, ça peut soigner plein de maladies. Voilà pour ce magazine. Je vous laisserai les titres si vous voulez en bas, en lien. Ensuite on a un autre magazine qui s'appelle Expérience, Quantum Expérience. Alors ça c'est un nouveau magazine. Je crois de mémoire que c'est le numéro 2. Voilà, c'est le numéro 2, donc il vient juste de sortir. Alors, dans celui-ci, bon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé celui-là. Je crois que c'est un de mes préférés. Là, on va parler de... Il y a un article sur comment faire évoluer positivement la loi de l'attraction dans nos vies. Est-ce qu'on a découvert le secret, le code secret de l'univers? Est-ce que vous êtes un enfant indigo? 18 façons de le savoir. Donc ça, c'est un article de Laura Marie. C'est Laura Marie qui a écrit cet article dans ce magazine. Voilà. Donc elle parle des enfants indigo. J'aime beaucoup ce que fait Laura Marie aussi sur certains de ses articles qu'on peut retrouver également sur Internet. Voilà pour ce magazine, on parle encore de la spiritualité bien sûr, sur les dépressions aussi, est-ce que certaines choses, qu'est-ce qui est dû à la dépression, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne déprime,
Après, il y a un petit schéma, je vous montre juste ce petit schéma parce que j'aime beaucoup ce schéma, sur l'échelle émotionnelle, de voir à quel point on peut aller sur une spirale vraiment ascendante, comme on peut aller sur une spirale complètement descendante, en fonction de tout ce qu'on a dans nos vies. Plus on est dans la joie, dans la gratitude, dans l'amour, dans la liberté, dans la passion, dans l'enthousiasme, dans la croyance dynamisante, dans l'optimisme, dans l'espoir, la satisfaction, et plus on a une spirale ascendante. Et au contraire, l'inverse, plus on va s'ennuyer, plus on est pessimiste, plus on est déçu, plus on doute, plus on blâme les gens, plus on a de la colère, de la haine, de la rage, des sentiments de vengeance, de découragement, de peur, de dépression, d'impuissance, d'insécurité. Et plus on va aller vers cette spirale, en fait, qui est descendante. Voilà, pour ce magazine, j'ai vraiment adoré. Il y a un article aussi où on parle de spiritualité, donc ça je vous l'ai dit. On parle un petit peu de chamanisme aussi. J'adore. J'adore les articles sur les chamans. Ça me parle beaucoup. Voilà, voilà pour ce magazine que vous trouvez normalement dans les kiosques. Alors si vous ne trouvez pas ces magazines dans les kiosques, c'est peut-être normal. Parce qu'ils viennent de sortir, ils ne sont pas encore très connus, et donc je vous donnerai le lien si vous voulez les commander. Bon, je vais recopier ce qu'il y a dans le magazine si jamais vous voulez les commander ou vous abonner éventuellement à ce genre de magazine. Et enfin, le dernier, c'est celui-ci, c'est Cerveau, Science et Conscience. Alors là, il y a un article sur comment reprogrammer son destin. Il est vraiment super. Qui sommes-nous réellement? La mécanique quantique est-elle intuitive? Qu'est-ce que la réalité? Est-ce qu'on est vraiment dans la réalité là? Est-ce que je suis en train de vous parler? Je suis vraiment là ou pas? Ça, c'est sympa aussi, se poser ce genre de questions. Et après, c'est un peu difficile de s'y retrouver avec tout ça. Et ensuite, on a un article aussi sur la loi de l'attraction et l'évolution de l'âme. Alors ça, c'est le genre d'article que j'adore. Voilà, on parlait de la dépression, de la réalité virtuelle. Ils ont fait pas mal de tests, en fait, sur le cerveau. C'est super, super intéressant. C'est très, très intéressant. Donc, je vous laisse voir encore une dernière fois la couverture de ce magazine. Et ensuite, il y en a un autre qui fait partie du même réseau de magazines qui s'appelle Psychologie Réussir. Alors celui-là, j'adore, j'aime beaucoup, il est vraiment très 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 bien fait. Bon, celui-ci, normalement, vous devez le trouver peut-être plus facilement, Psychologie Réussir. Voilà, donc voilà pour ces trois magazines que vous pouvez soit trouver dans les kiosques, soit je vous donnerai le lien pour pouvoir les commander. Voilà ces trois magazines du moment. Et puis, voilà, c'est tout juste pour vous partager ça. Et puis, pour vous faire un petit coucou, pour vous faire plein de bisous. Et puis, pour vous souhaiter une très belle journée, plein de belles choses. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude dans vos vies. Et puis, merci de me suivre et d'être toujours présent pour moi. Et de tous vos messages d'encouragement que je reçois avec une grande joie également. Et voilà. Donc, je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à très bientôt. Salut salut!